reading Christopher Ross's last novel. It was like picking up an old book read a thousand times. You already know the end. But the self-inflicted flagellation and the same chills are still enjoyable. Even the author's picture on the cover looks like it's in a 20-year time warp. You are one of the top crime writers in the world. Now, why are you worried about reviews? Why don't you and Catherine take a trip? Rent a house and stay for a month, too. And then you come back with the most evil fucker your fans have ever read. I've been getting closer to that fine line between reality and imagination lately. My dreams are nightmares. I keep seeing the people around me caught up in an explosion of violence. Thoughts like that help me when I'm looking for new ideas. But now they pop into my head when I least expect them. I've got to shake them off. Catherine! Honey, are you here? J'adore les défis. Déjà, je fais la photo des films que je réalise. Mais. Ouais, je l'ai dit depuis le début, je fais des pubs depuis très longtemps. Des petites pubs, hein. Mais l'ambition est celle-là. Un jour, je m'appellerai Soderbergh. Hein. Je ne cache pas que de temps en temps, je me dise, mais j'y arriverai pas, parce que c'est devenu tellement difficile de faire des films. Mais après, on se retrouve dans des situations comme ça qui font mal au ventre, etc. etc. Et ça, quand tu as des gens qui disent que j'adore ton film, même s'il ne marche pas, ça t'encourage, t'as envie de continuer, t'as envie de rentrer à la maison et reprendre le stylo, ça fait un peu vieux. Allez hop, mon clavier, et je me mets à écrire. J'ai eu une chance incroyable, c'est qu'à la fin du film, j'ai eu la société Galaxy qui est rentrée donc en production de la post-production, Tax Shelter, etc., etc. Le rêve total. Parce que si moi j'avais fait mon film en raid, sans l'appui des galaxies, mon film, hein, parce que moi je suis chef opérateur et jamais il serait ressorti une qualité pas bonne, pour éviter de dire d'autres mots, j'aurais dépensé le prix du film. Alors, tu épargnes de l'argent sur le tournage, c'est vrai. Parce que le matériel coûte un peu moins cher. Et encore, si tu vas de haute qualité, je ne vois pas où c'est la grande. Mais en post-production, j'ai 3 semaines d'étalonnage pour un petit budget. C'est énorme. C'est énorme. Donc tout ce que la RED m'a donné sur le plateau est pas mal. Hein. Franchement, je me sens fait de la pub, c'est vrai. Je l'ai perdu en post-production. Bah, oui, pratiquement, oui, parce que tout ce que j'ai appris depuis que je suis chef opérateur, effectivement, c'était des films américains. Pas forcément tournés aux États-Unis, mais des films américains, donc des structures de production qui sont de type américain, etc., etc., qui effectivement sont assez différents d'un plateau normal européen. Et je les ai beaucoup plus employés sur mon premier film qui s'appelait Holy Money. Un peu par un aspect plutôt systématique du fait que je venais de quitter un film comme chef opérateur et je me suis retrouvé réalisateur 2 jours après. Et donc pour me retrouver moi-même plus à l'aise, c'est pas imposé, mais avec l'assistant réalisateur, j'ai plutôt essayé de demander à tout le monde de travailler comme moi j'étais plus habitué que comme un plateau normal européen. On fait un cinéma qui est différent en Europe, qui a des touches beaucoup plus culturelles et moins
qui était moins concentré sur qu'est-ce que est l'aspect du spectateur. On fait en Europe, on fait encore de l'art pour faire voir au spectateur. Là-bas, on fait du business pour faire voir au spectateur, etc., etc. C'est une grosse machine. Si on te la propose, tu y vas, tu la fais. Mais un jour, je reviendrai et je referai de l'art. Et attention, je fais un coup de frein parce qu'ici aussi, maintenant, on commence à avoir de telles difficultés que j'en profite une pour vous dire vite fait. Par exemple, je suis un film belge. Coproduction, j'ai eu de la chance qu'ils étaient trois pays de production. Mais qu'un gros distributeur comme Kinépolis me dise « Nous ne pourrons pas distribuer ton film quand ton film est fini parce que le cast, on ne le connaît pas. » Non. Alors oui, donc nous aussi, on commence tout doucement à rentrer dans des étiquettes qui disent « Avant, voyons voir comment ton œuvre d'art puisse plaire au public. » Après ça. Mais si c'était trop facile, ça serait chiant, excusez-moi le terme. Mais donc ça fait partie du jeu. Et c'est une façon de c'est la meilleure façon aussi, grâce à la presse, de faire voir son film le plus de monde possible, d'en faire parler s'il est bien. Au niveau des distributeurs. Eh ben, ça commence de là, parce que les distributeurs, comme je disais, ils sont maintenant, la tactique de business est complètement changée. Ça veut dire c'est qu'on a des règles bien précises pour sortir ton film, etc., etc. À moins que ce soit un chef-d'œuvre. Maintenant, les réactions, j'insiste sur la presse, et des réactions du public, etc., etc., logiquement ouvrent des portes d'intérêt. Si par exemple ce film marche très bien ici au BIF, j'espère que Kinépolis reprenne le téléphone. Il n'y a pas que Kinépolis, mais c'est le premier emploi. Eux, ils n'ont pas le nom parce que je suis resté tellement choqué. Je ne sais pas comment il est fait. Je ne veux pas dire qu'il est bien parce que c'est moi qui l'ai fait. Il est sympa. Mais je ne veux pas. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on fait. On attaque les festivals et on croise les doigts et on y va.